Le Seigneur Colo a placé cette année sous le signe d'une année de grands bouleversements à travers le monde. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Maintenant, toi qui entends ces choses, tu te demandes qu'est-ce qui va t'arriver, parce qu'il s'agit là d'une année de grands bouleversements. Regarde ce que le Seigneur te dit. Matthieu 10, verset 28. Écoute ces choses. Ne redoutez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Pendant cette année, ne redoutez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Tu as été renvoyé. On t'a renvoyé d'un endroit. Mais ceux-là même qui t'ont renvoyé. Je parle à quelqu'un qui va suivre ce message. Que ce soit dans une entreprise, tu as été renvoyé. Que ce soit dans une affaire, dans un projet, que ce soit dans un milieu, tu as été renvoyé. Ces gens viendront te chercher. Ces gens viendront te chercher. Et il en fut ainsi à l'époque de Jephté. Il avait renvoyé, il ne voulait pas de lui. Mais puisqu'ils étaient bloqués, ils étaient obligés de recourir à Jephté. Dieu va bloquer beaucoup de gens à cause de toi. Va bloquer beaucoup de gens à cause de toi. Et ils viendront te chercher. Ils te diront : nous voyons que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Les gens vont voir. Ils ne vont pas seulement entendre ni apprendre, mais ils vont voir de leurs propres yeux qu'au milieu des difficultés dans lesquelles ils vont s'enliser, c'est toi la solution. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi.